Bonsoir. Comment allez-vous, les enfants? Comment ça va, mamie? Comment ça va, Claire? Comment ça va, Nadine? Comment ça va, Miss? Quel accent, n'est-ce pas? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est pas trop fort? Est-ce que tout va bien? Et ça va, ça va. On va enfin rejouer, pas trop tôt. Ah, génial, ça me prend tout le... Qu'est-ce que j'ai fait encore? Alors, attendez. Bonsoir, je ne sais pas gérer mon... Voilà. Je ne sais pas gérer mon truc. Merci, Brezou. Merci beaucoup pour ton réabonnement. J'ai tout cassé. Commence bien. Ça commence bien, les gars. C'est bon, j'ai réussi. Alors attendez. Ouais. Voilà, nous avons réussi. On a encore eu de la chance. Voilà. Très bien. Coucou Maxou, bonne soirée à toi, merci. Des bisous sur ton joli petit cul. Alors, du coup, je voulais juste voir à la base si mon son... Mais c'est pas ça, putain de... Connasse. Je voulais voir si mon micro s'était pas encore déréglé. Non, c'est bon. C'est bon. Je ne vous tue pas trop les oreilles. Alors, normalement, on est sur YouTube aussi. Ah oui, alors, stop. Voilà, merci. On est sur YouTube aussi. Il y a personne sur YouTube. Est-ce que c'est grave? Pas vraiment. Comment vous dire que YouTube, ça pue. Mais si jamais vous passez sur YouTube, bah venez sur Twitch. Voilà. En fait, est-ce que quelqu'un aurait l'extrême amabilité... Attendez, parce que ça se trouve, mon live, il est pas en... C'est de la merde, YouTube. Ça se trouve, il est pas en public, vous voyez. Alors, je vais vous donner le lien. Est-ce que quelqu'un peut-il avoir l'extrême amabilité d'aller voir si ça marche? Voilà. Ça marche, très bien. Merci, mamie. Oh, et en plus, j'ai le chat, j'ai les deux. Je t'aime. Merci. Merci, mamie. Du coup, c'est bon. Sur mon Streamlabs, ça n'a pas marché la dernière fois, mais cette fois, ça marche. J'ai rien changé, mais c'est pas grave. Je vois ce que disent sur YouTube et ce que ça dit sur Twitch. Perfect, perfect. Ah, c'est trop bien. Du coup, j'ai pas besoin d'ouvrir YouTube. Voilà, très bien. Merci beaucoup, les enfants. Merci de votre participation. Vous gagnez un chocobéen à la vanille. Qui aime ça? Qui aime ce gâteau du diable? Moi, j'aime bien. Merci beaucoup, Pierre. Tu voulais pas te désabonner? Tu m'avais pas dit oui, faut que je me désabonne, machin, mais je trouve pas. Et en plus, j'ai oublié de te dire comment on faisait parce que tu me l'as pas rappelé et que je n'ai pas de mémoire. Pardon. Je ne sais pas justement. Alors, je vais t'expliquer en live. Regarde. Attendez. On va changer de scène parce qu'on est des BG. Nous, on a des scènes. Voilà. Donc, vous avez mon écran magnifique, n'est-ce pas? Avec ma grosse tête. Voilà, le stream. Les coulisses du stream. Félicitations. Tu vas aller dans... Alors, attends. C'est où, déjà? Je ne sais plus. Abonnement. Voilà. Abonnement. Et puis normalement, tu peux quelque part... montrer ton truc et puis te désabonner. Attends, on va voir. Non, c'est là, le petit écrou. Voilà. Ne pas renouveler l'abonnement. Coucou Golden, comment tu vas?
Choco vanille, c'est bon. Mais c'est dégueulasse! Mais vous avez vraiment des goûts de merde! Bon, en même temps, vous me suivez. Ça devrait pas m'étonner. Mais quand même! Oh non! Oh, mais moi, je me souviens de ma déception, les gars. C'était vraiment de la déception, hein. Quand j'avais la dalle et que j'étais chez mes potes ou je sais pas, n'importe où ailleurs, parce que ma mère en achetait jamais, et que là, on te servait les vieux chocos BN à la vanille, ou pire, à la fraise. Oh, tu as la 5G, Goldan. Ben, repose-toi, t'inquiète pas. Heureusement qu'on n'a pas fait session ce soir, en fait, hein. Vous m'aurez claqué entre les pattes. Moi aussi, je vous aurais claqué entre les pattes, je pense. De rien, Pierre. Bon, mais du coup, pour me remercier de t'avoir montré comment on faisait, tu peux rester abonné à moi. Non, mais en vrai, si vous voulez rien payer et que vous avez Prime, faites péter le Prime de Twitch, hein, ça marche. Puis moi, ça me fait des sous, tu vois. Le flouze, tout ça. Bref, cette musique va me saouler. Par contre, j'ai pas de musique, en fait. J'ai pas de musique, les gars. Qu'est-ce qu'on fait? On met la vieille musique des Sims? On s'en bat l'arrêt et on se met des musiques non libres de droit? Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi tout. Merci aux 11 personnes qui sont là, en tout cas. En attendant que vous décidiez, je vais mettre le super son du jeu. Oh, ça me saoule déjà. Merci Missou pour l'abonnement à Nana. Ça y est Miss, tu vas recommencer à péter ta tirelire? Non, parce que la dernière fois j'ai compté. T'as offert 9 abonnements. 9 abonnements, ça vaut presque 50 euros je crois. On va se calmer hein. Garde ta thune pour t'acheter un PC. J'adore à la fraise. Ça m'étonne pas. Fallait forcément qu'il y en ait un dans le chat qui dit ça, il fallait forcément que ça soit toi, mamie. Forcément! Je suis à 31 sur la chaîne. Oui, non, mais peut-être 31 en tout. Mais la dernière fois, t'en as envoyé 9, quoi. Oui, je sais, il me l'a dit. D'ailleurs, tu m'as caché ça, espèce de cachotière. Honteux. C'est honteux. Bon, alors. Mais c'est dégueulasse. Bon, peut-être que je suis un peu mauvaise langue. Je préfère quand même les chocos à la fraise qu'à la vanille. Mais tu vois, c'est comme quand tu dis je préfère les salsifis au chou de Bruxelles. Tu vois, c'est dégueulasse tout pareil. Oui, tu m'as dit qu'il t'a aidé, et il t'a aidé pour tes écrans, déjà, j'ai oublié. Et puis c'est tout, tu m'as pas dit que tu cherchais à avoir un meilleur PC, gna gna gna, tout ça, tout ça. Coucou Moru, comment ça va? Je t'ai envoyé une musique. Pierre, si tu m'envoies de la musique classique. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais faut que j'ouvre Spotify, là. Oh, ta mère, c'était trop fort. Je peux mettre... Non, mais... Non, alors je n'écoute pas ça, d'accord, hein. On va se calmer. 2 secondes, ça m'a suffi. Ça m'a pété les oreilles. Ah bah j'ai oublié. Bah merci de m'oublier, ça fait toujours plaisir. Bref, donc ça fait déjà 10 minutes, j'ai toujours pas commencé à jouer, enfin vous commencez à être au courant maintenant. Hein. Déjà, comment vous allez? Est-ce que vous passez de bonnes vacances? Est-ce que vous allez voyager pour vos vacances? Pour ceux qui sont en vacances, évidemment, parce qu'il y en a qui sont pas en vacances. Non, mais garde tes musiques, Pierre. Garde tes musiques. Vraiment, je... Non. Va voir les vaches. Ah oui, El Famoso Vache. Ah, j'ai hâte. Du coup, je vous explique un peu ce que j'ai fait. J'ai créé la cuisine, bien sûr. La cuisine. La cousine. La cousine de Lulabi qui s'appelle Mélodie. Et en fait, l'histoire de Mélodie est un petit peu triste. C'est que cette conne... Non, déjà, c'est pas conne, pardon. C'est que cette... cette personne... Enfin, cette femme, oui, voilà. Pourquoi tu dis femme, Pierre? Donc, cette jeune femme était tranquillement en ville avec son mari, machin.
Et en fait, sa mère qui vivait à la ferme est décédée. Excusez-moi, j'ai une absence parce que la musique du jeu m'a happée là. Ça m'a perturbée. En fait, ferme ta gueule le jeu. Je sais pas si je suis la seule personne au monde. Dès que j'ai un jeu, je coupe le son. Alors, de temps en temps, bon, c'est faux, de temps en temps j'écoute. Mais les trois quarts du temps, je coupe le son parce que c'est de la merde. Vas-y, tu veux pas mettre du... Voilà, mets du classique. Allez, voilà, mets ça. Ah, mais c'est nul, ça garde pas! Mais ça sert à quoi, alors? Je fais pareil. Merci, mamie, pour une fois qu'on est d'accord. Parce que cuisine! Oui, donc, qu'est-ce que je disais? Donc, Mélodie était en ville avec son mâle, vous voyez. Tout se passait bien. Et puis, sa mère est décédée, donc elle a récupéré sa maison à la ferme. Enfin, sa ferme, voilà, je vais y arriver. Sauf que, par plein d'aléas de la vie auxquels je n'ai pas encore réfléchi, il s'est retrouvé que elle a pu vivre que dans cette ferme. Elle ne peut plus partir, en gros. Mais, sinon c'est pas drôle, son mec devait la rejoindre, mais en fait, il l'a laissé tomber quand il a appris qu'elle attendait des triplés. Et maintenant, figurez-vous que elle a eu ses triplés, hein, donc des vraies jumelles et un petit garçon, je sais même plus comment il s'appelle, Flora, Fauna et Alistair. Et elle s'en sort pas en fait, elle a pas de thunes, les gosses ils font ce qu'ils peuvent, mais bon, je crois qu'il y en a une qui travaille bien, qu'est-ce que j'ai dit ? Il y en a une qui travaille bien parce qu'elle veut partir de cette vie de merde. Il y en a une autre, je sais plus, les deux autres, je sais plus, je crois que le gamin il fait que de la merde. Ou la gamine, il y a une des deux gamines qui doit faire que de la merde et l'autre qui vit dans son monde, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc elle a appelé Lulabi à la rescousse quoi. Très bien, merci Pierre. On va donc mettre ça. Voilà, allez. Oh oui, c'est parfait! C'est parfait pour la... Mélodie a tout quitté. Pardon. Oh, coucou Marvin, comment tu vas? Ah non, c'est Nadine Lulu. Je sais pas pourquoi, j'ai lu Juju. Du coup, je croyais que c'était Marvin. Mais vous avez tous les pseudos en vert, là, ça me perturbe. Bah tant pis, hein. Et bah coucou à Marvin, si tu passes, un de ces quatre. Oh my god. Non mais je sais bien que c'est libre de droit, mais bon, on va pas se taper de la musique classique pendant 4 heures, quoi. Moi, j'aime bien, mais je pense que ça va saouler les gens. Ta 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 na na na. Bref, Lulabi doit donc aller aider sa petite cousine parce que sa cousine quoi. La famille, tout ça. On est de la famille nous. Et on n'est pas des bachibouzouks. Et pourquoi pas? Parce que je pense qu'à part toi et moi, Pierre, personne va aimer en fait. Donc bon, au bout d'un moment, il faut que tout le monde soit à peu près content, tu vois. Du coup, c'est quoi le nom de la nouvelle ville? Enford-on-Bagley. C'est ça. Elle va donc abandonner Louis et Victoria et Gunther pendant quelques temps. Ah, mais il y a tout ça de thunes. Merde, il faut que je leur en enlève. Bah, attendez. Voilà! Non, parce que sinon, c'est pas drôle. Hein. Moi, j'aime bien. Oui, non, mais voilà, on va être trois dans le chat, quoi. Pendant 4 heures de la musique classique, même moi, au bout d'un moment, ça me gonfle, hein, quand même. Hein. On va pas se mytho. Du coup, vous m'avez pas répondu. Est-ce que je vous mets une vieille playlist de musique libre de droit? Est-ce que je mets la musique du jeu? Ou est-ce que... Oui, mais bref, ça compte pas. Ou est-ce que... Ou est-ce que je mets de la musique comme ça et on s'en fout? Je plaisante, Braise, avant que tu t'égosilles.
5 et à moi. Mettez déjà compté dedans si vous vous rajoutez à chaque fois. Bah oui, plus moi, ça fait un autre. Plus moi, ça fait encore un. Plus moi, ça refait un. Musique comme ça. Bah le souci, c'est que pour la rediff, ça va être chiant, quoi. Allez. Oh, puis on s'en fout, hein. Ça changera pas d'habitude, j'ai envie de dire. Tiens, on va mettre... On va mettre la... l'OST, c'est ça ? Original... Truc, song, l'OST, ouais, c'est ça, de Ori, voilà. Très très belle musique, très beau jeu, très triste. Voilà, du coup, ferme ta gueule les Sims. Juste ta gueule. Voilà. Je me suis égosillée toute seule. Et après t'as dit ça, je rigole. Je m'en suis doutée. Mais quoi ? Mais comment ça je compte pas ? Ouais, non mais je t'entends. Je t'entends. Bon sinon les gars, est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que... Vous avez de quoi manger, de quoi boire ? Est-ce que vous êtes radis du panier ? Allez, on va commencer. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez testé cet add-on, vous ? Et qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi tout, Mais alors, le YouTube, là, de mes couilles... Attendez, je vérifie quand même. Il est en... En public ? Ou il est pas en public. Alors on va m'entendre en double. Voilà, ta gueule Lupina, merci. Modifier la vidéo, hein. Mais le cro... Ouais, il est en public. Ok, donc il y a juste personne sur YouTube. Est-ce que c'est grave? Non. Le croco, Miss, déjà t'es pas obligé de le mettre. Et puis, merci Bresse pour les 10 bits. Ça fait quand même beaucoup de bits. T'es pas obligé de le mettre. Et tu sais, il est dans le mode... Pourquoi t'es effrayé ? Séismophobie. Ah oui, c'est vrai ! Il est possible qu'on meure dans cet épisode. Donc on va sauvegarder. Parce que j'ai mis des traits de merde sur ce terrain. Je veux vraiment que la meuf vive un enfer en fait. Alors, je vais vous montrer la gueule du truc. La gueule du truc. 14 rue des Orties. Ah bah ça porte bien son nom déjà. Donc voilà, elle a hors réseau. Donc c'est la merde. Et tremblement de terre. Et j'hésitais à mettre un autre truc, mais je savais pas trop. Peut-être... Alors non, Golden, il n'y a pas de lit escamotable ici. Mais on peut mourir effrayé, je crois. Donc à cause d'un séisme. Les pauvres. Ah oui, mais vous savez ce qu'on dit ? Quand le malheur s'abat sur vous, il arrive jamais seul. Donc autant y aller à fond, tu vois. Allons-y à fond. Allons-y, let's go ! C'est parti, les amis ! Non, je pense que c'est suffisant, tremblement de terre et hors réseau, hein. Merci Missou pour l'abonnement offert à Golden. Golden, tu pourrais le payer, hein. T'as un salaire, merde. Oh là là. Honte. La calenterie, tout ça. Pauvre Golden. Merci Brezou pour ta bite. Bonsoir Pearl, comment tu vas? Ça faisait très longtemps. Bon, ça va. Alors, bon, bah voilà, Lulabi est ici. Avec la robe citron, les enfants. Je lui ai laissé. Je lui ai laissé, c'est important. Très important. Bah, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, Imhotep. Alors, du coup, bah déjà,
Oui, parce que comme les Sims, c'est bien fait. C'est sa cousine, mais elle a aucun lien de... Enfin, vous voyez, quoi. Ça va bien se passer, Mélodie. Ça va bien se passer. Rufus. Je suis une sorcière, moi. Je vais t'aider en 2-2. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas trop ce qu'on va faire, ce qu'on pourrait faire déjà. Mais elle est effrayée à cause des séismes. Bah t'as pas fini, hein. Ce qu'on pourrait faire pour commencer, ce serait peut-être de visiter un peu les environs. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, je vais vous avouer que j'ai lancé le jeu. Je me suis dit, ouais, les familles pré-créées, elles ont l'air trop bien, j'ai trop envie de jouer avec. Vous savez, la meuf, là, enfin la famille, avec le père et la mère et les trois gosses, je crois, qui sont à moitié en train de divorcer, on sait pas trop. Du coup, je suis allée dedans, j'ai foutu le sbeul, je les ai fait coucher à gauche et à droite, et j'ai pas réouvert le jeu depuis. Sauf pour faire une constru. Oh! D'ailleurs, est-ce que vous voulez que je vous fasse la visite de ma dernière construction? Est-ce que vous voulez? Parce que je suis un petit peu fière, mais c'est seulement si vous voulez. Alors, voyons voir un peu le décor. Oui, je sais, je passe du coq à l'âne, d'un sujet à l'autre. Accrochez-vous, j'ai pas le temps en fait. Oh, la maison de Bilbo le Hobbit! Samuel Leroy. Qu'est-ce que c'est que ce zouf? Il a l'air... J'espère qu'il n'a pas de moustache. Vous lui avez pas mis de moustache, j'espère. Non, mais la moustache, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, un petit jardin, ouais. Ouais, ok. Là, en fait, c'est le genre de truc en forêt. Tu vois pas que c'est un étang, tu tombes juste dedans comme une sale merde. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Coucou Kiki, comment tu vas? Genre, tu marches. Et en fait, t'as un étang, mais comme ça a de la mousse dessus, et il n'y a pas un pet devant, donc tu penses que c'est de la... Je me suis fait cuire des nouilles. Mais on s'en fout, t'es pas obligé de mettre les majuscules, Pierre. Comme il y a de la mousse en fait, et bah tu penses que c'est de l'herbe, et tu marches, et puis plouf! Ça m'est pas arrivé à moi, c'est arrivé à une copine. C'était très drôle. Bon, pas pour elle du coup, mais Et moi, j'aurais pas aimé être à sa place vu que je ne sais pas nager. Merci Missou pour les 100 bits, ça fait vraiment beaucoup là. Alors, première gueulante de ce pack de merde! Pardon, excusez-moi. Vous avez bien vu quand on a testé? Il n'y a aucun arbre à part un vieux buisson de merde avec une poule et une vache là, et un lapin. Il n'y a rien dans les plantes. Et en fait, ces gros connards de fils de leur mère, ils ont tout foutu dans le debug. Donc ce magnifique saule pleureur, plutôt que de l'avoir dans le mode construit tranquille dans les arbres, faut que tu te fasses chier à faire un code et à chercher dans les 3 milliards de trucs qu'il y a pour avoir le saule pleureur. Oh, ça me gave. Pourquoi, en fait? C'est de la merde. Les Sims 4. Oui, c'est vraiment de la merde. Ouais. Mais c'est mamie qui me l'a dit que Saul Pleureur était dans le debug. Du coup, j'étais là. Ah, d'accord. Pourquoi? Je comprends pas. Celui-là aussi. Ces deux petits trucs-là aussi, ils ont l'air... Ça, c'est un truc de framboise, non? Je sais pas. Ça aussi, je pense que c'est dans le debug parce que je les reconnais pas. Ah, ça me sidère. Ça me troue le cul, comme on dit. J'ai oublié de le retirer. C'est pas grave, Pierre. C'est qui ça? Julien. Tiens, c'est pas toi qui l'a fait, lui, Miss. Juliane, pardon. Il me semble que c'est toi. Bref. Ok, là il y a un terrain. Ouais, bon, bah c'est. Et celui-là aussi, je pense qu'il doit être dans le debug. Mais pourquoi? Calmez-vous la musique! Merci. Pourquoi vous faites ça en fait? Les Sims 4! Oui, c'est vraiment de la merde! Les Sims 4! Pardon. Oh, il me manque un bout, hein. Il me manque un bout. Oh, petit terrier! J'ai envie de voir les lapins aussi. Par contre, c'est joli.
Bah, c'est joli, bah, faut bien que la donne ait un truc pour lui, quoi. Et du coup? Coucou Suki, comment tu vas? Non, mais c'est dingue quand même que pour avoir des trucs méga beaux. En plus, je sais pas ce que ça leur aurait coûté en plus de mettre l'arbre dans le truc des arbres. Je comprends pas. Et quand je comprends pas, je rabâche. Je pense que vous me connaissez maintenant, vous le savez. Je comprends vraiment pas pourquoi faut qu'on se casse le cul à aller chercher dans le debug pour avoir ce magnifique arbre et certainement les autres petits buissons là plutôt que de les mettre direct dans... C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Comme d'habitude. Est-ce que vous regardez des vidéos Sims 4, vous, et est-ce que... Nommez un abri, d'accord. Et est-ce que vous avez vu des gens qui aimaient vraiment cette extension ou pas? Ne me quitte pas. Ouais, vachement l'ambiance, hein. L'ambiance, pendez-vous, ouais. Ne me quitte pas. Alors, du coup, les poules. Ah, je leur ai pas encore donné de nom. Va falloir y remédier. Comment on les appelle? Coucou Samantha, comment tu vas? En vrai, j'ai un peu la flemme de jouer. J'ai envie de jouer, mais j'ai la flemme, tu vois. Il y en a qui aiment, mais au point de kiffer, j'ai vu personne. Je sais pas. On va aller au bar. Histoire de visiter un peu. Pardon, excusez-moi. Ça, j'ai pas parlé de la journée, quasiment pas. Et du coup, maintenant, bah, je baille. Voilà, c'est la vie. Non, mais c'est trop... c'est trop classique, là. Nugget KFC, bon. En plus, c'est déjà proposé par le jeu, il me semble. Non, mais je... Non. Je donnerai pas de nom de bouffe à mes animaux, voilà. Comme ça, je vous coupe l'herbe sur le pied. Oh, coucou Jessica. Ça, c'est qui? D'accord, un PNJ de merde. Ça me saoule, les PNJ. Chantal. Chantal, vous faites peur, très cher. Alors, par contre... Je suis pour la diversité, sachez-le. Mais alors, rousse, dreadlock, fallait y penser. C'est assez surprenant de prime abord, hein. Alors, voyons voir ce bordel. Acheter des produits, hein. Bon bah nous, on va se faire connaître, voilà. Allez, Lulabi. Come on, avance. La la la, la la la. Non mais sérieux, il y a 5 mètres là. Oh putain. Bérangère, Marie, Louise, Mireille. Ah c'est sympa. J'ai pas encore vu Agnès et la dentelle. Moi non plus. Qu'est-ce que ça dit? Je vends à prix coûtant. Ouais, cool. T'as quoi à vendre? Dis-moi tout. De l'avocat, hein? Bouteille de lait, brioche, chocobé, farine, des fraises. Pardon. Est-ce qu'on peut 5 minutes revenir sur les framboises? Je sais... Attendez, je vais vous mettre le live en pleine. Je sais pas si vous voyez mieux, mais en fait... Ça me tue de rire. Les framboises... Mais dégage le moustique, putain! Les framboises, ils ont pris les fraises, ils ont rajouté des tiges, et ils les ont faites plus petites. Top! Top. Du fromage! Tiens, c'est intéressant, ça. Fruits à épines. J'ai faim. Voilà, j'ai envie de bouffer des fruits, maintenant.
Mais j'ai des pêches, mais elles sont pas mûres. Chier. Poisson, sucre, machin, viande blanche, viande rouge, œuf bleu. Œuf bleu. On peut le manger ou on peut le mettre dans le poulailler? Je vais essayer de le mettre dans le poulailler pour voir. Ah bah elle est là la grognasse. Salut Agnès. Eh bien nous on est une star, elle va nous aimer, tu vas voir. Non mais Lulabi, ça devient ridicule là. Eh ben voilà, c'est déjà ma pote la vieille. Eh. Bon mais on s'en fout, à quoi à vendre grognasse? Ah, magasin de plantes, intéressant ça. Sans froid à bibliothèque solitaire. Non mais alors Sukima. Je ne sais pas où tu as grandi. Et je te critique pas. Mais je tiens à te dire que les vaches, ça ne pond pas d'œufs. Voilà. Juste, je te donne l'info. T'en fais ce que t'en veux. T'en fais ce que t'en veux, c'est pour ta culture personnelle. Mais les vaches ne pondent pas d'œufs. Voilà, après c'est comme tu veux, hein, Si t'insistes, ok. Ah, cercle à broder. C'est bien ça. Je veux tester. Champignons verdoyants. Moi, je mange pas ça. Hein. Ah bon? Ah oui, je vous assure. Les vaches, ça ne pompe pas. Ah, des confitures. Faut qu'on essaye de faire des confiottes. Je sais pas comment on fait, mais on en fera. Engrais, pousse vite, on s'en bat les couilles. Friandises amicales, machin. Globe brillant. Vas-y, je vais l'acheter. Eh, vous avez vu les promos de malade qu'on a, wesh. Haricots noirs. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup plus de... Je vais y arriver. De fruits et légumes et tout ça. Hein. C'est pas trop tôt. Hein. Il a quand même fallu attendre une extension à la ferme pour ça. Ils nous prennent vraiment pour des jambons. Et du coup, on peut faire quelque chose de ce truc? Manger. Je le sens pas. Il s'est rien passé là, on est d'accord? Bah je sais pas, ils ont tué une vache bleue comme si c'était... Non mais je sais pas, c'était... Oh non, c'est écrit, pouvant éclore, non! Je suis si déçue. Alors là, mais on a perdu de la thune, les gars. Déjà, on a mangé un globe doré, ça ne servait à rien. Elle est juste contente d'avoir mangé un légume. C'était juste correct. Oh bah, excusez-nous, princesse Lulavi, hein. C'est vrai que c'est pas votre Louis qui vous fait de la cuisine gastronomique, hein. Oh là là, et t'as changé, Lulavi, hein, t'as changé. Ah, t'as pas pris une ride, mais alors t'es devenue une grosse conne, hein, ma fille, hein. C'est gratuit, hein. Et en plus, on a acheté un œuf bleu qui peut même pas éclore. Remboursé. Elle est mignonne, cette petite maison. Bref, alors, il y a quoi d'intéressant dans le bled, là? Bah, il y a rien. Voilà. J'ai vu qu'on pouvait faire les boutiques, mais ça ne sert à rien. Genre, faire du lèche-vitrine. Louis est très bien. Mais j'ai jamais dit que Louis était pas bien, au contraire. C'est lui qui fait la bouffe. En même temps, vous me direz, Lulabi, il n'y a pas besoin de manger, donc c'est normal qu'il fasse la bouffe. Ah oui, Louis est très bien. Bon, par contre, il a un petit souci. C'est que quand je l'emmène pour bosser, il ne bosse pas. Il regarde les gens comme ça en train de mourir à l'hôpital, c'est sympa. Ah,
Ah, t'avais compris un bœuf. Ah bah, je vous explique alors. Non, non, un œuf. Un œuf. Oh, il se passe rien. Oh, t'inquiète, Suki. C'est vrai qu'il est tôt chez vous. Enfin, tôt, en fait, j'en sais rien. 6 heures de moins, c'est ça? 6 ou 5? Au Québec. Je l'ai pas configuré pour être syndiqué. Non, mais je te jure, en fait... mais disons que c'est juste le... C'est la carrière qui bug, hein, pour changer, parce qu'il est médecin au summum du poste. Et quand il y a une urgence, ça bug totalement et il reste là, bugué. Voilà. Voilà, voilà. 6 heures. Oui, oui, c'est... Oui, il est 15 heures. Oui, mais je sais pas compter, laissez-moi tranquille. Oh, c'est pas possible, ça. Bon, alors, du coup, on avait dit... Toi. La blanche, on va l'appeler... Cunégonde. Le coq. Le coq, on verra après. La poule noire, ça va être... Hermantrude. Important. Non, mais cocotine, rien du tout, cocotine. Hein. C'est nul à chier. La poule brune. On va l'appeler Jacqueline. Attends, le petit poussin, reviens ici. Non, ah bah si, mamie. Si, si, si. La petite poussinette. Je suis désolée si vous appelez comme ça. Gwenaëlle. Ce prénom est si... Et le coq. Et le coq, comme il est noir, que c'est un kikou, on va l'appeler Oscar. Voilà. C'est important. Par contre, vous êtes bien gentils, mes petits poulets, mais aller courir comme ça, alors qu'il y a des renards, ça va pas être possible, en fait. Ouais, mais on n'a pas de thunes, c'est vrai. La musique est trop forte encore. Calmez-vous! La 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 la. Ça rame. Voilà. Si le renard veut venir vous bouffer, faudra qu'il fasse le tour. Chez. C'est moche, Oscar. D'ailleurs, il est où ce connard? Pas Jacqueline. Voici Jacqueline, c'est parfait. Bisous, mamie. Aïe, aïe, aïe. Merci aux 15 spectateurs qui sont là. Non, mais le PC, il galère parce que il est en double stream plus enregistrement du truc. Parce qu'il n'y a plus de rediff sur Twitch vu que Twitch est de la merde. Merci, Miss, pour les 100 bits. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il me l'avait dit. Bon, alors, il est excusé pour cette fois. Bon. Alors, du coup, les gosses. Mais en fait, je sais pas trop comment on va l'aider, la cousine. Hein. Je dis on va l'aider, mais j'ai pas d'idée. Déjà. Le labi. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour gagner de la thune, à part vendre son corps? Parce que bon... Mais c'est trop beau, ça! Oh, mais c'est trop beau! Vends les gosses. Alors... C'est pas l'envie qui m'en manque. Mais je crois pas que ce soit possible. Ah, il y a une autre petite femelle, là. Vous aviez dit quoi? Oscar n'est pas un kikou, wesh. Oh bah si, 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 si. Si, si, bien sûr que c'est un.
Bien sûr que c'est un kikou, Oscar. Hein. Mais Anne-Marie Claude, c'est déjà un Sims, tu vas te calmer, toi. Alors, c'est Brest qui a dit que Oscar c'était moche parce que j'ai appelé mon coq comme ça. Voilà. Avant que tu t'excites, Oscar. Et ensuite, mamie m'a dit que tu t'occupais de ton petit frère et je dis ah oui, c'est vrai, donc il est excusé. Parce que j'ai appelé le coq noir Oscar car c'est un coq noir et qu'il est kikou. Du coup, celle-là, je vais l'appeler Josette. Voilà. Bref, alors. Ah, par contre, je vais activer l'autonomie parce que sinon, ils vont mourir juste. Ils vont juste se laisser crever, les cons. Bah oui, je suis un beau coq. Alors, c'est un point de vue. Voilà. Mais moi, je l'ai appelé Oscar parce que s'il était noir et donc les animaux noirs, c'est trop dark et donc c'est Kikou, tu vois. Et que t'es un gros Kikou, c'est pour ça. Coucou Dai Dai, comment tu vas? Fucking blinde, mais elle est allée être entretenue pour le moment. Gna gna gna. Bah alors, je sers à quoi, moi? À rien. Comment je désactive la putain de téléportation là? Parce que je sens que ça va la faire bugger. Ah, pourtant c'est là. Ah voilà. C'est bon. Comment tu vas? Je m'appelle pas Cucu, wesh. Pauvre Cucu, il est même pas là. Non. Pierre, je ne mettrai pas la musique de Joséphine Ange Gardien. Ah! Bah calmez-vous la poule! Elle vient de me hurler dessus. Oh my god. Ah bah si c'est pour la remercier d'avoir donné des beats, ok. Ok. On va faire ça. Mais ça risque d'être censuré. Comme toute la musique. Merci Miss. Merci aux 17 téléspectateurs, c'est pas de la télé, mais c'est pas grave. Conseiller de sortir de sa coquille. Quoi? Allez Oscar, tu dois sortir de ta coquille. Allez, stop les libres de droit là, merci. On pourrait l'appeler fripouille. Non mais c'est bon, il y en a déjà une fripouille. Donc du coup là, je suis en train de causer avec Oscar, hein, vous remarquerez. Caresser. Nous allons caresser Oscar. Demander si les poulets maléfiques arrivent. Ok. Ok, ok. Je ne sais pas. Oh, il n'est pas content. D'accord. Bah on va jouer avec. Oh, attends, serré dans les bras. Je sens qu'il va nous griffer la gueule. Mais t'as rien fait, Mi. J'ai mis la musique de Joséphine pour te remercier pour les beats.
Je le sens pas. Je le sens pas. Ah si, ça va. Oh, il est mignon. Pardon, excusez-moi. Je communique avec Oscar. Oh my god. Bon, on va aller communiquer avec Jacqueline maintenant. Rappeler l'héritage des dinosaures. Bah c'est parfait, c'est parfait. C'est bien dans le thème. Aïe aïe aïe. N'est-ce pas? Vous avez l'air vachement décalé quand même, les gars. Non, elle est contente, Jacqueline. Attribuer des volailles. Ok, je sais pas ce que c'est. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Ramasser les œufs. Ah, mais t'es dehors! Gwenaël! Viens là! Ma dépêche-toi! Elle vient pas, hein? Bah, tu vas mourir par les renards, chais! Bon, bref. Alors, ici, on va rajouter de la glace. Ah, bah, les enfants se lèvent, tiens. Je suis déçue. Je suis vraiment déçue qu'ils puissent pas éclore l'œuf bleu, là. Mais non, Louis, il est pas là parce que Lulabi aide sa cousine, Mélodie. Voilà, d'ailleurs. Voici Mélodie. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça? Amour aviaire. Oh, cette volaille est tellement adorable. D'accord. Qu'est-ce que tu fais, grognasse? Va parler à ta cousine. Je vous jure. Bah, je trouve ce prénom très très laid. Hein. Excusez-moi. On va aussi parler aux gosses. Excusez-moi, j'ai une absence dans ma tête là. C'était vide. Oui, elle est chou, Mélodie. Mais j'ai essayé de la faire, vous savez, très mince et puis. Genre, elle s'est complètement laissée dépasser par les événements. Alors, je dis pas que toutes les personnes minces sont dépassées par les événements, hein. On s'entend. Voilà. Bref. Parce que quand même, trois gosses à s'occuper, puis c'est des enfants. Donc bon, et vous imaginez qu'elle les a eu bébés et ils ont grandi, machin. Mais bon, ça doit être du taf quand même. Hein. Du taf à fond. En fait, je suis un peu paumée. Je sais pas. Je sais qu'on peut faire plein de trucs. Mais en même temps, je sais pas ce qu'on peut faire. Du coup, si vous avez des idées, des suggestions, etc., je suis preneuse. Intimidation dans sa vie. Alors en fait, elle s'est faite complètement larguer par son mec quand il a su qu'elle était enceinte de triplé. Et puis,
Et puis, surtout ça, c'est la maison de sa mère qui est morte récemment, donc elle a du tout, enfin récemment, voilà, elle a du tout géré toute seule. Et vous pouvez aller sur YouTube si jamais ça lag sur Twitch. Oh, le bâtard, je vais le gommer. D'ailleurs, en parlant de divorcer, je t'ai fait divorcer de Aurélien, Kiki, comme tu m'avais demandé. Par contre, j'ai mal au crâne. Ça commence bien. Je vais voir si nous avons un cher paracétamol, mon meilleur ami. Ruru. Salut, Doliprane. Ah, shit. Bah, je crois qu'il n'y en a plus, les gars. Eh bien, tant pis. Tant pis, j'aurai mal au crâne et puis voilà. Bon, je vais cuisiner pour la famille, je pense. Préparation de conserve. Ah, intéressant. Oh, trop bien. Substitut de viande. Ok. Pardon. SMR Médoc. Non mais je crois pas qu'elle ait envie de retrouver un mari en fait. Là elle a juste envie de... De vivre. Tout simplement. Ça faisait longtemps que j'avais pas rejoué avec Lulabi. Juste Lulabi. Donc ça fait aussi un peu plaisir. C'est quoi un substitut de viande? Bah en gros, c'est... tu sais, c'est genre les steaks végétariens. Il n'y a pas de, de viande dedans, je pense. Je pense que c'est... Qu'est-ce que tu fais, espèce de connasse? Flora! On peut pas la gronder, cette sale mioche. Oh là là. Bah va nettoyer maintenant. Putain, sale gosse. Mais regardez-moi cette débile! Tu vas mourir, Gwenaëlle! Aïe aïe aïe. Ça a bugué là, je suis pas folle. D'accord, donc tu laisses la conserve ici, c'est parfait. Fais à manger pour tout le monde. Ça rame du cul, putain. Va vraiment falloir que je prenne une autre barrette de rame. Hein. Ça, ça a l'air trop bon. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais laisse-le. Ah, ah très bien. Je viens de fondre dans la... Très bien, parfait. Des peaux supplémentaires, ah d'accord. Quoi faire? Qu'est-ce que tu fais, Jacqueline? Mais Lulabi, tu me saoules là! Cuisine! Qu'est-ce qu'il y a fou?
Quoi? Ok. Alors... vous venez de voir ce que je viens de voir, là? Je pense que ça vaut un petit jingle. Vous êtes prêts? Jingle. Les Sims 4. Oui, c'est vraiment de la merde, de la merde. Oui, c'est vraiment de la merde, les Sims 4. Voilà, voilà. Donc il est devenu invisible, on est d'accord, hein. Et puis vous pouvez pas attendre que j'ai fini de faire à manger? Oh là là, mais elle vient de se TP devant. Mais ils sont tous en train de se TP en fait. Ça va me saouler les gars. Ça va me saouler! Ok, vous avez fait vos devoirs? Fais tes devoirs. C'est bien, il a fait ses devoirs. Toi, grognasse, fais tes devoirs. Et toi, c'est bien. Bon, bah c'est génial, hein. Allez au lit maintenant. Mais tu dors où, toi? T'es vraiment une cassos. Quoi? Pourquoi tu peux pas mettre ton clip? Bah mets-le dans le Discord, Suki. Bah franchement, si c'est buggé comme ça, ça va... Mais Louis, mais qu'est-ce que tu fais là? En fait, on peut pas être RP dans un jeu de merde. On peut pas être RP, regarde. Ah, mon amour, je m'en vais à au moins 800 km de toi. Tu survivras sans moi. Oui, bien sûr. Et il est là. J'en ai marre. Mais Louis, mais rentre chez toi, va t'occuper de Victoria, putain. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'on va faire de vous, les amis? C'est pas RP! Il a pas le temps, il travaille, il a un enfant, il doit s'occuper du chien. Tu sais quoi? Je sais. Très bien. T'as bien fait de venir, Louis. T'as bien fait de venir, moi je te le dis. Hop. C'est ça. C'est ça. J'ai pris l'avion, c'est comme ça que tu me remercies. On n'a pas le budget. Si, on l'a. On a à peu près 3 millions, ça va. On peut se payer l'avion, tu vois. J'aime bien la musique. C'est l'OST du jeu Ori. Ori and the Blind Forest. Quel magnifique accent, n'est-ce pas?
Nous allons donc rajouter El Buisson de la Mort. Ou comme on le nomme chez moi, Van Buisson. Clin d'œil, hein. Ce qu'on a ref. Et si vous n'avez pas la ref, c'est pas grave. Par contre, je vais juste rajouter des lucioles parce que les lucioles, c'est beau. Voilà. Merci Brézou pour les 50 bits. J'ai la ref, j'ai la ref. C'est bien. Louis ? T'as bien fait de venir, mon petit Louis. Vous avez vu comment ça lag ? Incroyable. Voilà. Ouais, il y a des lucioles ! Al Buisson de la Mort. El famoso Van Buisson. J'ai loupé mon travail, j'ai fait en sorte que Victoria surveille le chien. J'ai passé 8 heures dans l'avion et c'est comme ça que tu me remercies. Bah alors merci bien là. Il nique dans le Buisson. C'est pas mal comme remerciement, je trouve. Cochon! Et du coup, je voulais aller à... Oh, arrête de laguer le jeu, j'en peux plus. Ça fait tourner Red Dead en ultra et ça rame sur les Sims. Incroyable! Un truc avec l'escargot, là. Oh! Oui, c'est trop beau! Vous avez vu les petits trucs bleus, là? Mais c'est trop mignon. Imagine, Oscar, ce sont des milliers d'œils. Dieu, d'œil, Dieu, nye, qui te regardent. Ah! Oscar! T'es votre pony! Comment, Dandine son fion, celle-là? Deuil, Dieu. Ouais, non, mais j'arrive pas à le dire. Des yeux. Les yeux, ça va, mais des yeux, j'ai du mal. Ok. Et c'est tout? Ah, génial. Regarde les yeux derrière! Ah! Ah! Alors, un selfie, normalement, c'est dans ce sens-là, hein. Faut qu'on voit ses seins, c'est important. Voilà. Parfait. Ça te fait rire, grognasse. Bon, bah, voilà. Bon, du coup, on a toujours pas vu de lapin. Les lapins! Bili, 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 bili! Lapin! Kili, 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 kili! Insupportable. C'est bien les Bad Pony. Oui, c'est bien les Bad Pony. Je comprends pas ce qu'Oscar a contre eux. Hein. Ah oui, alors faut faire tout le tour du cercle. Oh, casse-couille. Casse-couille. Qu'est-ce que diantre que ceci? Mais c'est un renard! Elle s'appelle Lune. Bonjour Lune. Habillée Lune. Ouais non mais on va se calmer. Lapin!
C'est quand tu veux, hein. Si tu t'arrêtes tous les 10 mètres, on dirait moi quand je marche, quoi. J'ai des carottes. On t'a cru qu'ils allaient venir, quoi. Ils dorment, les pauvres. El Renardo, El Zorro. Ah, d'accord. Lune, elle est où? D'accord, très bien. C'est qui le pécor, là-bas? Ah, oh, mais c'est Jackie. Où est Simet? Simet, il y a Jackie. C'est le fiancé de Stella, lol. Oui, elle a épousé un vieux. Lune l'habille. Pierre, tu sors. Bon bah, on se fait chier un peu, hein. Vous trouvez pas? Je sais pas quoi faire. Vous avez une idée de quoi faire ou que vous voulez me voir faire? Oh, il y a un truc là-bas. Ah, c'est trop beau. Mais alors ça, c'est pareil. Pourquoi on les a pas? Ils sont dans le debug aussi? Ah, ça m'énerve. C'est trop beau. Mouah. Je veux ça dans mon jardin. Ça risque de prendre un peu de place. Oui, je crois aussi qu'elle est partie. Mais c'est trop beau, ça. Louis, t'es parti. Ah non, il est pas parti. Je sais pas où il est. Vous voulez que je vous monte ma créa, mais du coup on arrêtera de jouer. Il est où Louis? Louis! C'est qui ça là-bas? Karine Bernard, mère du village. Je m'en bats les couilles moi. Ah! Mon amoureux. Un bisou. Oh, chaps. Mais reste là Louis. Mais enfin! Ouais, c'est ça, Kiki. Non, en gros, les gens disaient, ouais, y a... Ah, ça, c'est bien, ça! Ah bah oui! Voilà, intéressant. C'est bien de... Enfin... Il y avait pas mal de gens qui disaient qu'il n'y avait pas beaucoup de meubles dans le mode construction. Mais effectivement, s'ils ont tout foutu dans le debug... mais bon, ça devrait pas compter comme des trucs, en fait. Ça craint. C'est bien, hein. Elle est forte, hein, Lulabi. Elle respire sous l'eau. Allez, Louis, dépêche-toi. Bon, après, je vais faire la broderie. On va faire un arc-en-ciel, voilà. Compétences, point de croix. J'ai hâte de voir ce que ça donne par contre. C'est cool le point de croix. Vous en avez déjà fait vous? Moi j'en ai déjà fait et j'avais bien aimé. Ah bah non, mais Lulabi elle est incroyable. Hein. De toute façon elle ne mange pas, elle ne dort plus. Elle a jamais faim, elle est jamais sale, elle a jamais froid, elle a jamais chaud. Elle est toujours géniale tu vois. Non mais ça va, Louis, fous-moi la paix maintenant. C'est sympa, ouais.
Bon alors fais voir ton chef-d'œuvre là. Non mais attends. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je m'attendais à rien, je suis quand même déçue. On a dit un arc-en-ciel! Ça veut dire au moins 8 couleurs, connasse! Là, elle nous a fait 3 arcs de cercle avec des petites boules bleues au-dessus. Mais c'est quoi ça? T'es con ou quoi? Et puis elle pose ça par terre en plus. Mais oui, allez! Oh putain, quelle grognasse. C'est de la merde! Attendez! Les Sims 4! Oui, c'est vraiment de la merde, de la merde! Oui, c'est vraiment de la merde, les Sims 4! Voilà, voilà. Je suis sourde. Oui, mais alors... Alors, un petit tips pour vous. En général, lorsque je me tais un certain moment, vous pouvez être sûr qu'à 90% du temps après, je hurle. Voilà. C'est pour vous préparer à baisser éventuellement le son. Parce que je suis quand même vachement sympa comme meuf. Non. Et voilà. Après, si vous baissez pas le son, est-ce que c'est mon problème? Non. C'est cette couleur. Oui, ça dépend si tu rajoutes le vert bleu ou pas. Enfin, peu importe. En tout cas, c'est pas 3 couleurs de merde. Et puis, c'est collé. Merde. Riii. Bon, bah, on va rentrer, hein, parce que là, clairement, c'est de la merde. Merci. Ouais, ouais, ouais. Les Sims 4. Oui, c'est vraiment de la merde. Mais est-ce qu'il y a des choses bien qui se passent dans ce pack? On n'a toujours pas vu les lapins, en plus. On est tous sourds, là. Est-ce que c'est mon problème? Ça va faire marcher les ORL, c'est ça, hein? Voilà. Je fais marcher l'économie, ok? Est-ce que vous m'entendez bien au moins? Enfin, je sais que vous m'entendez trop, mais... Par rapport à la musique, j'entends. Bah oui, bien sûr que je suis gentille, attends. Super bienveillante et tout. On va voir comment va Jacqueline. Jacqueline! Oh, trop mignonne. Regardez-moi ces grosses dondons. Trop chou. Mais ta gueule, Oscar! Oh, attendez. Mais c'est vraiment Oscar? Il derpe! Regardez, il a les yeux croches! Il a un œil comme ça, un œil comme ça! C'est totalement Oscar! Bon, enfin non, normalement Oscar il a les yeux comme ça, mais on s'en fout, tu vois. Le strabisme est présent, nous validons. Oh, elles sont trop mignonnes. Salut les cocottes. Allez, on nettoie le poulailler parce que... Oh, est-ce que vous avez déjà eu des poules ou des canards? Parce que moi, à une époque, j'avais des canards. Merci, Missou, pour ta bite. À une époque, j'avais des canards et de temps en temps, il fallait qu'on nettoie quand même leur cabane. Et ça a pué. Putain, quelle horreur. Voilà, c'était l'anecdote inutile du jour. Qu'est-ce que tu fais, Lulu? Ah, très bien, tu sors les poubelles. Parfait.
Les Sims 4. Oui, c'est vraiment de la merde. Ah bah, Gwenaëlle est revenue, c'est bon. Aucune plante n'a besoin, gna gna gna. D'accord, et ben on va se faire foutre. Attendez, je veux tester un truc. Admettons. Ah, c'est bien encore, hein. Ça c'est bien, voilà. Admettons ça. Est-ce que on peut... Oh, le contraire m'aurait étonné. Mais je veux mettre de l'eau là-dedans. Attends. Mais c'est nul! Bon bah niquez-vous, hein. Déçu, 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 déçu. Qu'est-ce qui n'est pas décevant dans ce jeu? Attends, le poulailler a disparu ou c'est moi là? Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Mais suce ton chibre en fait. Oh, je pète un câble. Respirez bien, mon petit ami. Respirez bien, tout se passe bien. Qui sonne? Alistair a passé la plupart de la récréation à essayer d'embrasser d'autres élèves. Il n'a pas réussi, mais les autres élèves s'enfuyaient devant lui. Alors c'est pas... Il est trop jeune pour embrasser quelqu'un, en fait, qu'il faut dire là. Ce qu'il faut dire, c'est... Mais t'embrasse pas les gens sans leur permission, connard! Oh my god, mais c'est quoi ça? Mais rien ne va! Oh, j'ai mal à l'oreille. Mon dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je suis choquée. Voilà. La réaction de merde. Déjà, l'attitude de merde. La réaction de merde. Oh, mais il est trop jeune pour embrasser quelqu'un. C'est pas la question, là! Il est en train d'harceler des gens! Au secours. Au secours. Big bisous. Les big bisous. Non, mais personne fait ça. Enfin, hein. Ne faites pas ça, hein. Oh mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Mais où va le monde, les enfants? Où va le monde? Je vous le demande. Pourquoi je peux pas cliquer sur le frigo, là? Oh là là. Oh, quelle purge. Quelle putain de purge. Bon. Du coup, chez ma cousine, je lui fais quand même le bricolage. Elle a pas des masses de thunes. Comment est-ce que Lulabi pourrait gagner de la thune pour aider sa cousine? Donc, techniquement, je pourrais juste lui donner 1 million, tu vois, mais il n'y a pas de challenge si je fais ça. Parce qu'elle a quand même été actrice, elle a travaillé dans les plantes, etc. Elle a fait quoi d'autre? C'est quand même une sorcière. Elle a moyen de trouver masse de ressources assez vite. Mais Mélodie, tu vas passer ta vie en robe de chambre ou pas? Est-ce qu'à un moment, tu pourrais t'habiller quand même? S'il te plaît. Ce serait pas mal. Un minimum, quoi. Voilà, merci bien.
Mets les clips dans le Discord, s'il te plaît, ma Brézou. Fauna a terminé l'école. Gna gna gna. Elle pourrait s'améliorer. Ouais, bah tu m'étonnes. Et l'autre là qui... Ah, aïe, ah, tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes, Alistair. Oh, en plus, il est crade. Mais putain, mais c'est quoi ce mioche? Vous voulez rire, mais Alistair, c'est un Sims de mamie. C'est peut-être pour ça qu'il est insupportable. Et j'arrête pas de bailler, je suis désolée. Tous les Sims de mamie que j'ai eu dans mes parties sont insupportables. Tous. Que ce soit des enfants, des adultes, des chiens, surtout les chiens, des chats, tous sont insupportables. Voilà. Non mais au secours. Mais vous êtes tous dégueulasses en fait. Hein. Vous n'avez pas moyen de vous doucher là? Il y a bien une salle de bain dans cette bled là. Oh putain, puis c'est une baignoire en plus. Ça prend masse d'eau la baignoire. Non mais attends. On va vendre la baignoire et mettre une petite douche. Oh, c'est l'heure des médicaments. Je n'avais pas entendu. Mais qui met ça? Qui met un tableau au-dessus de sa baignoire, sérieux? Allez, tu prends une douche, toi tu vas faire tes leçons. Quel bordel! Ah bah oui, elles sont pas contentes, tu m'étonnes qu'elles sont pas contentes. Les riches font ça. Bah elle a l'air d'être riche! Est-ce que les chats et les chiens essayent de manger les poules? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée parce que j'ai très peu joué vu que j'attendais aujourd'hui pour jouer. Et là, il n'y a pas de chien ni de chat. Donc, mais normalement, il y a des renards qui sont censés venir pour les bouffer. Donc, je sais pas. Allez, hop, on va aider les gosses là à faire tes devoirs. Aider à faire les devoirs. Bah tu fais pas tes devoirs. Mais fais tes devoirs, espèce de petite connasse. Très bien, donc ça marche dans la... Parfait. Les médocs. Oscar! T'as pris tes médocs? Petite pensée pour Elantia. Ah mais c'est bon, t'as fini. Bah va faire tes devoirs. Gros dégueulasse. Ouais, alors par contre les gars, je sais pas si vous avez déjà joué avec le trait hors réseau. Mais je comprends vraiment pas comment ça marche en fait. Le foyer hors réseau a utilisé ses dernières réserves d'eau. Gna gna gna, gna gna gna. Les objets nécessitant de l'eau ne fonctionneront plus normalement ou plus du tout. Donc en fait... faut faire full de réserves d'eau, mais je sais pas comment avec ça. C'est un peu compliqué, hein. Pardon. Je comprends pas tout. C'est quoi briser les vannes? Ça va le casser? Mmh.
souhait, Ruru. À tes amours. Prendre une douche rapide et tiède. Ouais, bah, on va faire ça, hein, la pauvre gosse. Mais on va pas l'adopter, non. Je sais pas. Bon, déjà, ce qu'on va faire, c'est que ça. On va l'envoyer au conseil géologique. L'œuf. Hop. Ça, on le vend. Ça, on le vend. C'est quoi ça? Engrais. On le vend aussi, on s'en fout. On peut faire des clips trop bien avec ce live. Bah, fais-toi plaisir, hein, Brez, je t'en prie. Je t'en prie. Bon, il n'y a pas moyen que les gosses jouent ou fassent quelque chose. En vrai, il y aurait que moi, je supprimerais tout ce coin-là parce qu'il sert à rien. Pour en faire une grande plantation et peut-être mettre quelque part une balançoire pour les mioches. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, il y a encore eu... Mais qu'est-ce que tu fais dehors alors qu'il y a de l'orage, espèce de courge? Oh là là, elle a pas inventé l'eau chaude, celle-là non plus, hein. Ça rame, ça me saoule. Bien. Ok, bah vas-y, fais la fête dehors. Hein. Boum, 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 boum. Ok. Mais quoi, un rencard avec moi? Mais Louis, t'es pénible! Oh, arrête de me distraire! Insupportable. Mais je t'aime! Oui, mais je sais! Mais tu peux bien attendre une semaine que je revienne! Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que... On va sauvegarder, déjà pour commencer. Et je vais vous présenter la maison que j'ai faite. C'est quoi ça, Lunar Zodiac Challenge? C'est quoi? Je t'aime, tu es trop loin! C'est ça. Elle est la vie, non! C'est quoi le zodiaque machin truc? Je veux savoir. Je veux savoir. Montre-les-moi. Ces étrangers qui se tiennent comme moi. Ah. Donc voici la maison de Ferdil et Violette. Que j'ai terminé hier. Hier ou tout à l'heure? Hier. Il y a l'air d'avoir beaucoup de latence en fait. J'ai l'impression. Ou alors ça bug, je ne sais pas. Je pense que je vais restream à nouveau que sur Twitch. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que bon, sur YouTube, il n'y a personne de toute façon, donc c'est pas... Et puis ça fait juste ramer mon PC, alors... Voilà, la maison.
On joue la lune qui doit entraîner 12 filles. Ah, mais c'est un truc sur les Sims, d'accord. Ah, mais moi j'étais à des milliers de trucs de là, moi. Ah bah j'irai voir alors. Excuse-moi, Kiki. Donc, voilà. La maison. De Féfé et Vio. Le petit étang. Franchement, ce sera plus beau en mode vie parce qu'il y aura les lucioles et tout ça, mais bon... Et nous allons donc visiter. Donc, hop, l'entrée, mesdames et messieurs. Avec le sol en marbre. Et ici, on a salle à vivre. Très grande salle à vivre, gna gna gna. Non, mais je suis trop nulle, moi, en agent immobilier, hein. Le piano, wesh. Parce qu'on n'est jamais assez riche, en fait. Ici, une grande cuisine. Équipée, fonctionnelle, gna gna. Gna gna n'est pas un argument de vente, sachez-le. Et là, c'est une arrière-cuisine avec des plantes à sécher. Bon, ça c'est un peu moderne, mais tant pis, hein, c'est pas grave. Parce que normalement, ce JDR-là se passe médiéval. Après, c'est MLP, donc c'est un peu obscur. Hein, les anachronismes, tout ça. Et ici, nous avons le salon, bibliothèque, la pièce de vie, voilà. Ouais, je vais stream juste sur Twitch, hein, tant pis. Tant pis, puis il y aura la rediff pour les autres. Hein. Après, je vais aussi racheter de la RAM, mais je pense que mon PC ira mieux. Et alors là, il y a une réserve. En fait, à la base, je voulais mettre des machines à laver. Mais bon, les machines à laver, c'est pas trop l'époque. Et puis, comme c'est des poneys, j'ai mis, tu sais, des réserves de foin et des fleurs, tout ça. Genre, ils mangent. Mais bon, c'est un peu le débarras ici. Hein. On s'en fout en soi. Là, c'est la chambre... parentale, donc de Ferdil et Violette. Voilà, petite coiffeuse, machin. Ça aussi, c'est un peu moderne, mais tant pis. J'avais envie de faire tout un mur d'étagère, donc voilà, c'est fait. Le berceau de Miraculous. Leur fille, quand ils l'auront. La cuisine, gna gna. Et attends, c'est bon, j'ai meilleur argument de vente, ok? Les placards, tout ça, tout ça. Et ici, leur salle de bain. Bah, c'est une suite parentale ou pas? Voilà. Tiens, d'ailleurs, il n'y a pas de rideau. Oh, bah tant pis. Hein. De toute façon, ils sont un peu exhibis. Alors, est-ce que ça va les déranger? Non. Voilà. En fait, j'ai essayé de faire une maison dans... Bah, ancien, donc... Très, très loin de ma zone de confort. Comment vous dire que j'ai galéré, hein. J'ai mis vraiment plusieurs jours à faire ça. Ensuite, au sous-sol, nous avons une pièce à vivre, si on peut dire comme ça. Une salle de jeu, une salle de sport, pour recevoir des gens ou pour s'entraîner. Parce que ce sont des soldats à la base. je voulais mettre un billard, mais il n'y en a pas, donc j'ai mis une table de ping-pong. Ici, on a un sauna. Voilà. Et là, toilette et salle de bain. Séparés pour les plus pointilleux d'entre nous, n'est-ce pas? Et ici, nous avons une pièce secrète. Une cheminée. Ah, une cheminée. Non, on s'y attendait pas. Voilà, donc ici, c'est leur chambre. Leur chambre. Voilà. Plus de 18, censuré, tout ça, tout ça. Et on va remonter, hop là. Donc ici, à l'étage, nous avons donc un petit tamer. Un petit palier, c'est ça? C'est comme ça qu'on appelle? Je sais plus. Des toilettes séparées. Et un grand couloir
qui donne sur plein de pièces, comme vous pouvez le constater. Ici donc, une première salle de bain, enfin une troisième salle de bain du coup. Troisième salle de bain sans toilette. Là, une autre salle de bain avec toilette cette fois. En fait, il y a quatre salles de bain. Leur chambre de jeu coquinou, tout à fait. Nous n'en dirons pas plus. Là, c'est la chambre d'amis. Voilà. Là, ce sera la chambre de Miraculous Deal plus tard. Enfin, Miraculous, tout court, parce que Deal, c'est son nom de famille, bref. Ici, ce sera la chambre d'une ponette qu'ils vont adopter, qui s'appelle Carotte. Mais je sais plus comment. Carotte, voilà. Là, la chambre de bambin pour Miraculous ou les prochains bébés, qui sait. Et ici, c'est une autre chambre pour une griffonne qu'ils vont adopter. Voilà. Et là, c'est l'atelier de Violette, parce qu'à la base, elle est couturière, je vous rappelle. Hein. On sait pas trop ce qu'elle fout dans l'armée, celle-là. Mais elle y est. Carotte, oui, c'est le nom de la ponette Carotte. Elle est adorable. Très penchée sur les études et tout. En fait, le truc, c'est que Carotte et Gaëlle, la griffonne, ce sont des orphelines qui ont grandi dans l'orphelinat où Ferdi l'a grandi aussi. Et actuellement, elles ont 14 et 16 ans. Et à cet âge-là, en général, bah, t'as très très peu de chances d'être adoptée. Donc voilà. Ils vont les adopter, si elles sont d'accord. Non mais Gaëlle, elle a déjà un travail et tout ça. Et Carotte, elle est concentrée sur ses études. Elle est trop mignonne. Voilà la maison, les enfants. Je suis très fière de moi. Parce que je suis vraiment sortie de ma zone de confort. Et je me suis arrachée les cheveux. Ça a l'air simple hein, en soi, parce que... Techniquement, il n'y a pas grand-chose. Je me suis pas fait chier avec le debug et compagnie. Mais je me suis arraché les cheveux sur ce construit. Hein. Parce que c'est vraiment pas ma zone de confort. Le pas moderne. Bah, je suis contente. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous montrer le plus important. Le kiosque de la baise. Pardon. J'adore faire ce genre de kiosque super fermé et super romantique. Enfin, je sais pas trop si romantique, mais je trouve ça trop beau. Voilà. Et voilà. Ah, mais de toute façon, je suis très souvent fière de ce que je fais. Hein. En général, quand je suis pas fière, je recommence jusqu'à ce que je sois fière, donc... Et plus tard, bien plus tard, je me dis, mais en fait, c'était de la merde. Parce que j'ai progressé entre deux. Mais sur le coup, je suis toujours fière de ce que je fais. Voilà. Essayez de faire pareil si vous pouvez. Sur ce, il faudrait que je trouve une... Il faudrait que je fasse une scène où il n'y a que ma tête. Vous en pensez quoi? Je sais pas. Bon, au pire, c'est pas très grave. On va rester comme ça. Bah sur ce, j'espère que ce petit live vous aura plu. Moi, je vous avoue que ça m'a gavé parce que bah, les bugs, les lags et compagnie, ça m'a juste saoulé en fait. Ouh, ça pique les yeux. Ça m'a juste saoulé et je suis un peu déçue du coup. Mais j'espère quand même que ça vous aura plu un minimum. Sur ce, eh ben, je vous souhaite une bonne nuit. Un bon week-end, une bonne semaine, des bonnes vacances, un bon boulot. Bref, et n'oubliez pas de mettre une capote et de vous laver les mains. Allez, salut !